بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك، وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على حبيبنا محمد، صلي وسلم على حبيبنا محمد، الله يجازيك بخير، صلي وسلم على حبيبنا محمد. Il ne faut pas se contenter que de le dire avec la bouche, dis-le avec ton cœur, avec ton cerveau, avec tes cellules, et surtout en adoptant le comportement de Muhammad صلى الله عليه وسلم. صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين، صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين، أبو فاطمة الزهرة جد الحسن والحسين، أبو فاطمة الزهرة جد الحسن والحسين، صلوا صلوا صلاتين، صلوا صلوا صلاتين، صلوا صلوا صلاتين، أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صلي وسلم على حبيبنا محمد، جزاك الله خيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Là, mon frère Ali Karim a fait un beau sourire. Vous savez, le sourire de Ali Karim, il me fait plaisir, mashallah, quand j'ai dit mon frère, quand j'ai roulé le R. Donc là, il m'a fait perdre mon fil de pensée. Mais inshallah, on va le retrouver. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, est-ce que j'ai dit bonjour mes frères et sœurs en humanité? Il faut le dire, même si vous n'êtes pas content de moi, même si vous dites c'est quoi ce sale barbu, même si vous dites qu'il s'affiche dans son sale salon, avec son sale habit, kamis là. Même si vous dites qu'il est intégriste, barbu, minable, il n'a pas étudié, il n'est pas intellectuel, il est anti-culture, anti-civilisation, anti tout ça, même si vous passez quelques-uns passent leur temps à me cracher dessus, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider. Et je dois vous dire bonjour mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous guide, cherchez et vous allez trouver. Vous allez dire, ah, le barbu, il est malin, il a essayé de trouver la guidée, donc il est beaucoup plus malin que nous. Nous qui prétendons être quelque chose, des intellectuels ou des gens un peu malins. Vous n'êtes pas malin du tout. Quand vous ne répondez pas à quelques questions existentielles, vous passez à côté d'une chose énorme et vous ratez votre vie malheureusement. Donc je vous conseille, je vous défie de faire votre recherche vers de la religion de Dieu. Et vous allez être agréablement surpris. L'eau bouge quand on lit le Coran dessus. Quand on lit le Coran sur l'eau, il se manifeste, il change de forme, il danse, il fait l'acte mauvais, il danse, il bouge, voilà. Et subhanallah, l'humain, il ne veut pas chercher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous parlerai de ce savant japonais qui a écrit 15 gros tomes, sur l'influence du Coran sur l'eau. L'eau lui-même bouge quand il entend la parole d'Allah. De quoi je vais parler? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Wallahi, law kuntu amiran ahadan bis sujoudi li ghayrillahi la amartu l'mar'ata an tasjuda li zawjiha min idami haqqihi alayha. Wallahi, par Allah, si je demande à quelqu'un de se prosterner devant autre chose que Allah, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari, tellement il avait droit sur elle. Qu'est-ce qu'il raconte là? Elle, la femme, tout. Eh bien, si quelqu'un pouvait se prosterner devant une créature d'Allah, Mohammed sallam aurait demandé à la femme de se prosterner devant son mari. Donc c'est de la métaphore. Mohammed sallam vous veut rappeler l'importance, les droits de l'homme sur la femme. Vous savez, donc, ne me faites pas la tête, mes sœurs, Allah jazakum bikhair. Vous savez que j'ai fait beaucoup de vidéos pour vous, pour votre intérêt, pour tirer un peu les oreilles des hommes. Maintenant, je dois aussi tirer les oreilles de quelques-unes. Je veux vous raconter une histoire. Une histoire. Vous savez, la femme avec son mari, en famille, mashallah, heureux, stable et tout. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, alhamdoulilah, la santé, l'argent et tout. Un jour, le mari passe par les difficultés financières. La femme lui dit, mon mari bien-aimé, je veux t'aider, je veux travailler. Elle était à la maison en train d'éduquer ses enfants, tout ça, bien,
Le couple est heureux, alhamdoulilah. Un jour, il lui dit, je veux t'aider. Donc, ok, bah, le mari miskin, il est un peu, il passe par des moments difficiles. Il lui dit, bah, pas de problème. Pas de problème, ma femme bien-aimée. Va travailler. Donc, au départ, il va lui dire, bah, tu sais, en France, en Belgique, le hijab, c'est pas possible de trouver un travail. Donc, autorise-moi à enlever le hijab, je vais l'enlever. Donc, elle enlève le hijab. Un mois ou deux après, elle commence à enlever autre chose. Subhanallah. Commence à mettre des jeans. Commence à être serrée, transparente, mashallah, wal'iyadu billah, plutôt. Pas mashallah, wal'iyadu billah. Et elle commence à manquer de respect à son mari. Elle commence à lui dire, toi, tu vaux rien. Maintenant, moi, j'ai compris des choses. Maintenant, je me mélange avec des gens. Mais telle copine m'a raconté telle histoire. Maintenant, moi, je connais plus que toi. Maintenant, moi, je suis intelligente. Moi, maintenant, je suis... Et c'est pas haram d'être intelligente. Mais de commencer par une bonne intention au départ et d'évoluer vers la destruction du couple, on a entendu tellement d'histoires comme ça de femmes qui ont ravagé le monde et qui ont ravagé leur monde et qui ont détruit leur famille malheureusement. Et wallahi la ilaha ghayruhu, on a vu tellement d'histoires, on a entendu tellement d'histoires, on a vécu tellement d'histoires avec des frères que mes frères, mes sœurs, Allah jazakum bikhair, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Votre mari doit faire des choses. Vous avez des droits sur votre mari. Oui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les dernières paroles qu'il a fait, c'est sur les femmes. Khutbat al-Wada', le serment de l'Wada', de la Dieu, il nous a demandé de bien nous occuper de nos femmes. De bien les considérer. Khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Je suis le meilleur avec mes femmes. Mes femmes, oui, il était polygame. Oui, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, il était polygame. Et la polygamie est une partie de la solution de beaucoup, beaucoup de malheurs sociaux qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Mais il faut quand même des conditions pour l'homme et pour la femme qui évoluent vers la polygamie. Donc le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa femme. Et je suis le meilleur avec mes femmes, ou avec ma famille. Mais vous avez aussi, mes sœurs, vos maris ont des droits sur vous. Ont des droits sur vous. Apprenez de cette femme que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a décrit dans un hadith. Ala adullukum, ala ukhbirukum an khayr nisa'ikum. Voulez-vous pas que je vous indique, que je vous donne des indications sur les meilleures des femmes, les femmes de paradis? Ils ont dit, c'est lesquelles, ya Rasulallah? Il dit, allati in adat, celle qui, quand elle fait mal, a oudiyat, quand elle fait mal à son mari, ou quand son mari lui fait mal, elle lui dit, je ne dors pas tant que tu ne m'as pas pardonné. Regarde la puissance. Quand elle fait mal à son mari, quand elle fait un acte qui a posé problème à son mari, qui dérange son mari, quand elle met en colère son mari, quand son mari il n'est pas satisfait d'elle, donc il a hâte quand elle fait mal, ou oudiyat. Donc dans les deux cas, qu'elle fasse mal à son mari, ou que son mari par erreur, lui aussi il fait mal, lui fait mal, elle ne dort pas tant qu'elle lui a pas demandé pardon, tant que le mari ne lui pardonne pas, tant qu'il ne soit pas satisfait d'elle. Donc aujourd'hui, vous le savez très bien, je ne veux pas nous dire que c'est que les hommes qui détruisent les couples, les femmes aussi, nous avons des spécimens malheureusement, de femmes, je reçois parfois des lettres, elle te dit, j'étais mariée, mon mari m'aime beaucoup, à un moment donné, j'ai eu un passage à vide, et je commençais à chatter avec un homme, ou j'ai rencontré un homme. Et depuis, je suis amoureuse. Qu'est-ce que je fais? J'ai 4 enfants, elle me dit. J'ai 4 enfants. Et mon mari m'aime, et nous avons tout pour être heureux. Mais mon cœur est plein de l'autre. Qu'est-ce que je fais? Et je ne sais même pas si l'autre m'aime. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Des histoires comme ça, c'est à gogo. Beaucoup malheureusement. Mes sœurs, Allah yajzikoum bikhair. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Fermez les portes de shaitan. Fermez les pas de shaitan. Te laisse ton mari vers ce type de relation, ou que tu ne sois même pas marié. Ce type de relation, c'est ce que j'appelle les amours sataniques. Ça produit toujours des ravages. C'est, il explore ton corps et il te dit bye bye, hello, au revoir. Ce n'est que ça. Donc, concentre-toi sur ton mari. Rappelle-toi des droits de ton mari sur toi. Mohammed sallam dit, huwa jannatuki wa naruki, ton mari. Il peut être ton paradis comme il peut être ton enfer. Donc, Allah yajazikoum bikhair, mes sœurs, ne détruisez pas vos couples.
Écoutez, vous maris, dans toute chose qui que Allah aime. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم تقبل منا. بروباري سيت فيديو، اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.